Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, attention, on va être dans la peau, dans la peau d'un livreur Amazon. Comment devenir livreur Amazon sur GTA 5. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être livreur Amazon, voilà, je le dis, et aujourd'hui je vais pouvoir le faire. Du coup, non, sérieusement, il y a des potes à moi en plus qui sont livreurs d'Amazon, chez Amazon vraiment dans la vraie vie. Donc du coup, nous on va tester ce que ça fait sur GTA 5, voir comment ça fonctionne, voir comment eux, ils fonctionnent dans la vraie vie. Bah, cette fois-ci, on est sur GTA 5, on peut faire ça. Et du coup, on est parti. Pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous avez d'autres idées, vous me donnez les commentaires. Si vous voulez, je sais pas, d'autres vidéos, vous me dites dans les commentaires, des modes, etc. C'est à vous, les commentaires sont libres. N'oubliez pas que ce soir, on est en live à 21h. Grosse surprise ce soir, grosse surprise et grosse annonce à 21h. A tout à l'heure, let's go. Ok, let's go. Livreur Amazon Prime. Et les gars, on est tout simplement actuellement au dépôt de Paleto Bay. Donc le dépôt, tout simplement, Amazon. Donc comme vous pouvez le voir, donc, c'est écrit Amazon ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où c'est écrit Amazon? On a déjà tous les petits camions Amazon, on a le nôtre, hein, bien évidemment. Voilà, et on a des petits camions sur la mini-map. Je sais pas si vous voyez en bas, je vous zoome la map. Voilà, vous avez des petits camions. On va tout simplement aller au dépôt, parce que là on est dans le dépôt de Paleto Bay. Et c'est là en fait où je vais chercher ma voiture. Donc du coup les gars, désolé, j'ai eu un petit achoumement, un petit éternement. Du coup, regardez, on est bien chez Amazon et on va aller récupérer tout simplement notre petit camion et on va aller chercher nos commandes. On a plusieurs commandes à faire aujourd'hui. On a 3 commandes à les livrer. On va les livrer du coup ces 3 commandes. Oh, ah ouais, regardez, il y a des... Eh, c'est moi ou il y a... Attendez, je viens de voir des trucs derrière là. Faut que j'ouvre le coffre. Attendez, bah, et en fait, j'ai déjà des cartons. Mais je pense que ces cartons, faut que je les dépose au dépôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer les cartons au dépôt. Regarde, c'est bien Amazon. C'est écrit ici, ici. Et le camion, il est stylé par contre. Je kiffe. Ok, bah on va aller tout simplement au dépôt, les gars, qui se trouve en ville. Alors, je vais regarder sur la carte. On en a deux. On en a un ici. Ok. Et on en a un en ville. On va aller en ville, je pense. En ville, c'est mieux. Ouais, on va aller en ville. Je pense qu'en ville, c'est beaucoup mieux, les gars, de livrer en ville que de livrer dans le désert. Après, on testera peut-être un épisode 2 dans le désert, si jamais ça vous plaît. En tout cas, bah là, on est clairement en ville, quoi. Et on va devoir y aller. Ok les gars, on est arrivé au dépôt en ville, donc le dépôt qui se trouve juste ici. Donc ça a été racheté par Amazon forcément, avant c'était du coup G-Postal. Et regardez, moi ça derrière, on a des petits cartons Amazon, c'est stylé. Regardez, c'est des cartons Amazon. On en a plein à aller livrer. Nous on en a 3 à aller chercher, on va aller voir des clients tout simplement. Donc du coup je vais déposer le camion tout simplement juste là. Alors on va le mettre, genre je vais le garer là, tiens, c'est garé, c'est stylé ici, si je le mets là. Ouais, je vais le mettre là, je vais le mettre en arrière, tu vois, pour récupérer les commandes qu'on a récupérées. Et du coup, et bah c'est parti, let's go, on y va, go livrer. Ok, c'est parti, alors comme vous pouvez le voir, press B to hide this menu. Donc on va cacher le menu, voilà. You need to deliver 3 commandes. Donc voilà, le petit camion Amazon. Et press N pour finir tout simplement une livraison. Et c'est parti, on a le premier client qui se trouve juste à côté. C'est pas mal ça, on a 7 km. On va passer par là les gars. Allez, on passe par là tout simplement les gars. On est juste à côté, ça c'est bien tu vois. Première commande, juste... Et les gars, du calme. Ça sert à rien de flexionner les gars. Moi je suis juste livreur Amazon. Je vais livrer tranquillement, les gars. Moi, je ne demande rien à personne. C'est si d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent chez Amazon? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, d'ailleurs, dans ma ville à Nancy, ils recrutent chez Amazon. Donc, c'est vrai que c'est plutôt stylé. Et c'est parti. On va respecter le code de la route, forcément. On n'a pas envie de perdre notre job, hein, les gars. J'ai pas envie de perdre mon job. Tu vois, je viens de l'avoir, tout tranquille. Et par contre, toi, tu mets ton clic de temps quand tu traverses, s'il te plaît. Parce que moi, je livre des commandes Amazon. Hein, donc, on se calme. Alors, c'est parti, notre première commande. Où est-ce qu'on... On va gagner combien déjà? C'est ça la question. Combien on gagne en tant que livreur Amazon? Ah, c'est juste là. Hop, bonjour. Eh, je peux récupérer le truc? Presse E. C'est stylé les gars, what is this shit? Ok, premier carton, donc je sais pas ce qu'il a commandé, mais c'est gros hein, cette commande à lui. Hein. Hop. Bonjour, livreur Amazon. Faudra juste signer ici, s'il vous plaît. Ah oui, ils font tous ça, les livreurs Amazon. Merci. Au revoir, bonne journée. Pouh, 500$ la livraison. Eh les gars, si je suis payé dans la vraie 500 par commande, je veux bien le faire, les gars. Je veux bien devenir livreur Amazon. Hein. Mais je pense pas que ça soit payé autant, quand même, livreur Amazon. 500, c'est plutôt... c'est plutôt un bon truc, les gars. Oh, il y a un chat. Salut, petit chat.
Je viens de te livrer ton truc, je sais pas si c'est pour toi, mais il y a ton maître qui vient de se faire livrer une commande. Ok, on a une autre commande à 1,45 km, les gars. Je vais mettre en frère personne, tiens, pour voir ce que ça donne, ce que ça fait. Voilà, les gars, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai qu'il y a priorité à droite, donc c'est vrai que c'est la moitié de la priorité. Ok. Bah, déjà, il n'y a pas de compteur. Donc, ça, c'est vraiment bizarre. On n'a pas de compteur, les gars. Par contre, est-ce que c'est vraiment. On peut pas aller au-dessus de 70 parce que c'est écrit limite tout 70. Je pense pas, les gars. Je pense qu'on peut aller plus vite que 70, non? Parce que c'est vrai que rouler à 70, si tu vas sur l'autoroute, comment tu fais? Bah, par contre, on est en train de doubler et tout. Mais vas-y, t'as vu, nous, on a un livreur Amazon qui est un petit peu fou. On est clairement fou, les gars. Moi, je vous le dis. Je suis pas un n'importe quel livreur Amazon. Je suis un livreur Amazon qui. Ok, on va quand même s'arrêter au stop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, d'accord. Alors je vous ai dit les gars, les PNJ, ils ont décidé de me rendre fou aujourd'hui. Voilà, on respecte le code de la route, les gars. N'oubliez pas qu'on n'a pas envie de perdre notre job. Un job qui est plutôt bien payé parce que 500 par commande, moi je vous le dis, je le fais tous les jours. Hein. T'imagines, tu livres une commande à 500 euros. Bah ça, là c'est en dollars. Bon bah tiens, on va arrondir à 500 euros. Alors. Oh, cette fois-ci, on livre dans un hôtel. C'est ça, un hôtel, ça. Hein. C'est le Richman Hotel, les gars. Ouais, les connaisseurs de GTA V. Richman Hotel, effectivement. Ou quoique, je crois que c'est un bâtiment. Bonjour. Hop. On récupère la petite commande. Ah, cette fois-ci, c'est un autre truc, les gars. On livre quoi? Ouais, des t-shirts. Ouais, c'est stylé, ça. Et bah je crois qu'on va livrer des t-shirts. Alors par contre je sais pas, je crois pas que ce soit le Richmond Hotel. Du coup c'est un bâtiment qui est juste à côté. C'est un appartement qui est juste à côté du Richmond Hotel. Hop. Hop les. Et 500 $. On va se faire encore 500 $. Bah voilà votre commande monsieur. Au revoir, bonne journée. Et surtout payez-moi bien hein, parce que moi je vais me faire 500 hein, sur votre dos. Je te jure qu'en fait en fait là clairement Amazon ils sont en train de payer 500 quelqu'un. Alors que ça se trouve la commande elle est beaucoup moins chère que. Enfin, genre, elle vaut pas 500 euros, tu vois. C'est des t-shirts, donc à la limite des t-shirts. Enfin, ça dépend s'il prend des Gucci ou s'il a pris des trucs. Mais bon, je pense pas qu'Amazon y livre des t-shirts Gucci. En tout cas, tout ce que je sais, les gars. Ouais, feu orange, on passe. C'est un feu orange, les gars. Moi, je peux pas dire, je suis passé à l'orange. Ok. Je suis un petit peu pressé, hein, donc si ça vous dérange pas de d'avancer, les gars. S'il vous plaît, je suis livreur Amazon, je dois bouger, les gars. Et pas Amazon, je suis un livreur Amazon Prime. Bon les gars, c'est bon, c'est vert. Allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va, on y va, let's go. J'ai une commande à livrer à 1 km. Hop. Ok. Alors, c'est parti les gars. Oh, heureusement, les gars, j'ai failli cramer le feu rouge. Failli le griller les gars. Feu orange, on passe, tranquille. On a de la chance hein, sur les feux. On a un petit stop. On s'arrête. Franchement les gars, respectez le code sur GTA 5, c'est plutôt chaud quand même. Ok. Je vais attendre tranquillement. Quoique les gars, j'ai envie de bombarder, hein. Je sais pas vous mentir que j'ai envie de foncer quoi. Tu vois, c'est t'es là, tu peux pas respecter le code. Regardez, bam, c'est vert là d'un coup. Tu peux pas respecter le code. Bon par contre, je vais double, hein. Ça je vous le dis les gars. Niveau vitesse, on s'en fout un petit peu. Oh, il y a un feu rouge là. Allez, tu passes mon pote. Il y a un bus. Bonsoir les gars. C'est une commande pour vous peut-être, monsieur le chauffeur? Non, c'est pas pour vous. Ah, je pense pas. Alors là, on livre cette fois-ci dans un quartier. Ouais, c'est un petit. C'est un quartier riche là-bas. Hein. Parce que c'est quand même à côté de la plage et tout. C'est bien situé. Un riche, normalement, il est censé nous payer plus que 500, les gars. Juste au bout d'un moment. Le code de la route, voilà, quoi. Hein. On va laisser quand même passer les voitures, on va passer juste derrière elle. Alors, où est-ce qu'on livre? Quartier plutôt. Ouais, quoique les maisons sont pas ouf. Hop, on va se garer. Comme un livreur Amazon. Tu vois, genre en arrière comme ça. Alors, on récupère la commande. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à livrer cette fois-ci? C'est des Redwood. Ah, c'est du coca, je crois. Redwood. Non, c'est des cigarettes Redwood sur GTA. Il me semble que c'est des cigarettes, ouais. Et voilà! 500 $, c'est la commande qu'on doit livrer, forcément. Eh bien, du coup, la troisième commande est commandée et you need to deliver 0 more package, all package are delivered. Ok, donc comme vous avez pu voir, j'ai livré toutes les commandes. On va retourner au dépôt, les gars. J'ai strictement fait
tout ce que j'aime faire. En fait, les gars, hey, 500$ par commande, c'est stylé. Hein. Franchement, je kiffe. On vient de se faire 1500, donc c'est-à-dire plus du SMIC, les gars, en, ben, quoi, en 10 minutes, je dirais à peu près. 10 minutes pour livrer autant de commandes, c'est plutôt sympathique. Hein. Ok, let's go! On doit livrer une seule commande, les gars, ce sera la dernière commande de cette vidéo. Combien on va se faire? Est-ce qu'on va se faire plus ou non? Hop, marche arrière. Alors, regarde, il n'y a personne, c'est bon, on peut partir. Les gars, pour celle-ci, je pense que... Imagine, est-ce que tu peux voler une commande Amazon? T'imagines? Wow, les gars, le pire livreur de GTA, les gars, le pire... Il aille. Le pire livreur du monde qui bombarde, t'es la bombardeur, ok. Ah, il est... Il y a un... Ah bah le mec il est descendu carrément. C'est pour vous monsieur je crois. Eh, imaginons c'est un voleur les gars. Salut mec. C'est pour vous la commande. Bonjour monsieur. Alors, du coup je vous laisse signer. Ah ouais il a un gros cas quand même. Quoi c'est pas pour vous. Monsieur, il y a votre commande là. Monsieur. Bon il s'en bat les couilles. Ok bah je vais la déposer hein. Je vais déposer la commande, hein. Écoute, s'il viendra la chercher, c'est tout. 500$! Pouhou! Let's go! Eh bien, c'était plutôt pas mal. On va retourner à notre dépôt principal, les gars, à Paleto B. Comme ça, on sera bien. Donc, rendez-vous tout de suite à Paleto. Et c'est parti, les gars. On va livrer notre camion. Hello, Amazon. Bonjour, Amazon. Comment allez-vous, Amazon? Eh bien, c'est parti. On va rendre le camion. On a... What the fuck? Attends mec. T'es au courant que tu parles à un putain d'ivoire Amazon? Le mec il m'a foncé dessus! What the fuck les gars? Y'a un pompier qui regarde là-bas, regardez! Respecte les livreurs Amazon! Parce que nous, quand tes commandes de merde là, tu commandes tout le temps chez Amazon, t'es content! Et là, tu viens, tu me fonces dessus, tu dégommes un camion, on va signer un constat, mon pote. Ouais, quoi qu'il est mort, les gars. Il est mort, donc on signera pas de constat. Il est fou, lui, c'est pas que je suis Franck là, moi. Il est malade, les gars. Allez, c'est parti. On range la voiture. Et on est parti pour, tout simplement, les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars, c'était plutôt stylé. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres métiers, pilote, etc., vous me dites dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que ce soir, on est en live à 21h. N'hésitez pas à nous rejoindre ce soir pour le live. 21h, ce sera un beau live. N'hésitez pas. Il y a une grosse annonce ce soir. Avec la salle, vous allez kiffer la salle. Il y a une surprise. On a une petite surprise pour vous, les gars. Voilà, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Livre Amazon, aidez-moi, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.